Ah, elle n'est pas venue par ici. Hein. Ce que je vous donne, ce n'est pas un secret d'enquête quand même. C'est un individu qui est, selon les témoins, à une trentaine d'années, dont on ignore à l'heure actuelle l'état civil et l'identité, qui était cité le mail, qui était assis sur un muret, en train de manger. Deux individus sont arrivés à bord d'un véhicule automobile, qui pourrait être une marque Citroën. Ces individus ont une algarade avec cette victime. Ils se sont disputés fortement. Des coups de feu ont été tirés par ces deux individus. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire le nombre. On a retrouvé en tout et pour tout une douille de 6,35. L'algarade n'a pas duré, semble-t-il, très longtemps. Ils se sont disputés rapidement, ils ont tiré, ils ont forcé l'individu à rentrer dans le coffre. Selon les témoins, dans le temps de l'action, c'est-à-dire que les faits semblent s'être produits aux alentours de 17h15, 17h30, et on a découvert, dans la foulée si j'ose dire, le véhicule incendié avec le corps carbonisé à l'intérieur. C'est un... pas apparenter ça à un règlement de compte, mais en tout cas pas prémédité à la façon de ceux dont on a l'habitude de parler, comme le dernier en date, le 29 avril à Marseille. Il n'y a plus de ménage à faire. Merci. Encore une toute...